D'accord. Donc du coup, la balise, c'est ça. Bienvenue à vous. Comment allez-vous? La quête. À plus. Les invocations activées. Aspirant, pourquoi avez-vous allumé le signal? Marche droit. Nous avons des nouvelles urgentes pour l'Archonte. Ah, c'est vous qui étiez au Temple de la Pureté. Fort bien, venez. Vous cherchez à vous rendre utile? Notre archonte révéré a décidé de vous faire l'honneur d'une audience. Il vous incombe à présent de lui présenter vos découvertes et de vous plier à la sagesse de son jugement. Elle tient audience au fort élysien dans les vastes flèches de l'ascension où vivent les transcendés. Nous allons vous y conduire car il n'est possible de s'y rendre que par la voie des airs. Voler avec adroitesse jusqu'au fort élysien. Nous servons tous le enfin, bien commun. Une audience avec l'Archonte. Retrouvons-nous là-bas. Quel est votre tracas? Les parangons sont déjà rassemblés. Ils attendent l'arrivée de l'Archonte. Un conseil, ne prenez pas la parole avant qu'on vous la donne. Se voir accorder une telle audience est un honneur rare, mortel. Montrez-vous à la hauteur. Est-ce que tu crois qu'il me fait peur, ton Archonte, là? Attendez une seconde. Ah ouais. Il est plus haut? Non, il doit être là. Ces souvenirs ne laissent aucun doute, Deva. Votre main est au service de l'antre. Lisonia, je n'aurais jamais cru qu'elle portait les ténèbres en elle. On est d'accord que... Ouais, ça me semblait. Je n'ai pas le fly ici. Du coup, il va falloir que je prenne le fly en premier. Si j'ai besoin de revenir ici, au moins... Il est où le fly? Il est là. Je l'ai. Ok. Il marque encore un point. Que la paix soit avec vous. Non, non, c'est bon. Je vois pourquoi il est encore en point d'exclamation vert. C'est un bug. Un plus. Par la grâce de l'Archonte. Je vais vous escorter auprès de l'Archonte. Je vous implore de lui présenter vos informations aussi brièvement et directement que possible. Notre sage Archonte vous écoutera et décidera de ce qu'il convient de faire. Trois mots. C'est la merde. Ce sera assez bref ou pas? Trouvez votre pureté.
Restez. Ce sont de bien funestes nouvelles, Vésiphone. Mais l'Archonte est déjà restée sourde à ce genre d'annonce. La situation n'est plus la même. Parlez-moi de ces désavoués. La plupart ont simplement égaré leur foi et peuvent encore se racheter. Mais certains sont tombés assez bas pour toucher au pouvoir de l'antre. C'est vrai. Cette âme mortelle a affronté des transcendés qui servaient pleinement le geôlier. Lysonia n'est pas la seule. Nous ignorons où et quand, mais nous savons que les désavoués vont frapper. Une telle trahison est impensable. Mais nous devons maintenir la plus grande vigilance. Parangon, retournez à vos temples. Vous, Adrestes, veillez sur les sceaux. Mortel, il semble que vous ayez un rôle à jouer. Voyons ce qui adviendra. Allez et servez. Pourquoi t'as salué, trou du cul? Bon, bref. Je vous vois. Allez, et servez. Chaque temple du bastion est protégé par l'un des sceaux du fort élysien. Tant qu'ils tiennent, aucune force malveillante ne peut lancer d'assaut contre ces édifices. Oh, excusez-moi, décidément. J'arrête pas de bailler. Il est donc préoccupant de constater qu'un si grand nombre de désavoués a pu attaquer celui de la pureté. Vos ordres sont d'inspecter les sceaux. La sécurité du bastion en dépend. Est-ce que j'ai réactivé mon micro? Oui. Inspecter les sceaux des temples dans le fort élysien. Okay. Continuez avec courage. Restez fidèles à notre devoir éternel. Et merde. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la grosse chance. Ah, bordel. À un pas près, je tombais, quoi. Excellent. Le sceau du temple de la loyauté est activé. Les Kyrians méditant sur leurs devoirs et l'Archonte seront en sécurité. Le sceau de l'humilité est solide. Même si ça ne ferait sans doute pas de mal aux désavoués de réviser les leçons qu'ils y ont apprises. Le temple de la sagesse abrite les souvenirs de tous les Kyrians. C'est un soulagement de voir que son sceau est intact. C'est étrange. Le sceau de la pureté est désactivé. C'est ce qui aura permis aux désavoués de pénétrer en force. Le sceau du courage est encore intact. Quel soulagement! Imbécile! Les désavoués vont écraser votre archonte! Vous
Vite! Il faut avertir le marche droit. Je suis la volonté de l'Archonte. Le temple du courage ne doit pas tomber. Tous les Kyrians apprennent à se battre dans ces salles sacrées, non seulement pour défendre le bastion, mais aussi pour assurer leur propre sécurité lorsqu'ils partent récupérer des âmes. De l'autre côté du voile, rendez-vous immédiatement sur place et allez trouver Thanikos, le fidèle bras droit du parangon de courage. Allez voir Thanikos à la veille de Xandia. Cassius va vous fournir un volion. Dépêchez-vous. Oui, marche droit. Puisse l'Archonte veiller sur nous. J'ai un doute. Non mais c'est ça, hein. Que... ouais. J'ai juste une boucle. Il sert à quoi ce truc? Bon. Ah non, d'accord, ok, faut que... Excusez-moi, c'est moi, je suis con. La voie est toute tracée. Voilà. Le désavoué qui a détruit le sceau et celui des souvenirs de Lisonia ne font qu'un. Il semble qu'il ait été tenu dans l'ignorance de leur alliance avec l'antre. En va-t-il de même avec les autres désavoués ? Si tel est le cas, alors peut-être que... Par l'Archonte, Cléa, regarde! Comme convenu, la protection a été sabotée. Bien! Nos alliés sont pressés de passer à l'attaque. Les temples des Kyrians vont tomber, et avec le règne de l'Archonte. Je suis heureux de voir quelqu'un. Les Maldraxi ont attaqué sans crier gare. Ok. Vous avez mon attention. Oh, je suis désolé, je crois que je manque de sommeil en ce moment. Vous parlez à la... dans un combat loyal, nos guerriers n'auraient eu aucun mal à repousser des hordes entières de ces Maldraxi.
mais ce n'était pas un combat loyal étranger. Ils ont attaqué sans prévenir, sans raison. Alors généralement quand on attaque, on prévient pas à l'avance. Hein. Nous avons été pris au dépourvu. Pas question de laisser progresser davantage. Nous allons les arrêter. Reprenez la veille de Xandria. Ma vie pour les Parangons. Vous avez mon attention. Vous avez rompu l'ancien serment de Maldraxxus, Lich. Justice sera faite. Je n'ai rien rompu. Mon maître souhaite voir le bastion détruit et les cadavres des Kyrians rejoindre nos armées. Attends, je peux looter? Je suis... Ah, mais vous êtes chiant à mettre des mobs qui lootent pas. Vous parlez à l'homme. Nous allons faire payer à ces insurgés Maldraxxi le prix de leur trahison. Le nord de l'enceinte est entre les mains. C'est vachement haut la musique. L'entrée entre les mains de la maison des assemblages qui fournit à Maldraxxi les guerriers les plus robustes, mais ne mérite aucune pitié en ce jour. Ils ne méritent aucune pitié en ce jour et ils nous leur en témoigneront aucune. Vous et moi allons purifier ce lieu saint et les tailler en pièces. L'Inquisition. Vous restez bien sur le qui-vive. Notre ennemi n'a rien d'honorable. Je ne prends que les bonnes questions. En même temps, moi, je connais qu'une seule question con. Je peux préparer les systèmes internes de ce colosse, mais certains éléments doivent être remplacés. Heureusement, cet endroit abritait suffisamment de centurions pour nous permettre d'improviser au travail. Il me faut une confluence d'anima pour charger les systèmes, une plaque d'éternité pour protéger le noyau et un résonateur arconique pour qu'il puisse faire boom. Je me chargerai du reste. Dépêchez-vous. Récupérer la confluence. Ok, il faut que j'aille faire les courses. Trouvez vite les pièces pour que le colosse puisse nous aider à éliminer leur saleté volante. C'est ma sœur qui vous envoie. Certains de nos camarades sont encore vivants. Bien que nombre d'entre eux soient tombés lors de l'assaut initial, nos ennemis s'empressent de capturer les survivants. J'ignore ce qu'ils comptent en faire, mais connaissant leur intérêt pour les cadavres, le pire est à craindre. Certains ont déjà été conduits dans leur nécropole, mais d'autres sont encore enfermés dans les cages ici-bas. Libérez-en le plus possible. Libérez ces Kyrians. Malade. Sauvez tous les Kyrians que vous pourrez. Tenez votre rang, nous serons à vos côtés. Je dois les buter ou... On s'en tape. Ouais, oui, je dois les buter.
Wow. Il est où mon marcheur? Ah bah je suis mort. Putain, j'ai rien vu là. J'ai rien vu venir là. Je m'en suis pris plein la tronche. Quoi, c'est ceux qui sont si puissants eux? Monter hein, parce que essayer c'est de trouver les autres objectifs. Eux apparemment ils tapent violent. Il y a du loot. Au bastion, tout est alimenté par l'anima. Même les grands colosses. Voilà qui l'aidera à rester chargé. C'est là que je suis mort il y a 2 minutes. Hein. On va retomber là. J'ai arraché une partie de leur anima. Il vous soignera si vous approchez à ça. Je suis trop loin. Tu vas pas l'avoir. Bon. Ah là-bas, il y a un Kyrian capturé. J'essaie de la libérer. Oh là là là. Attendez. Je vais attendre que lui y passe. Oh merde. Comment ça, retour vers le vide? Non, mais non. Parce qu'il a quitté le sol une minute.
Allez, on y va. Vite, parce qu'il fait demi-tour. Parlez, créature mortelle. Bah, par contre, si tu pouvais te battre. Non, ce serait trop beau, hein. Contemplez les transcendés. Et j'en ai rien à péter. Je sais pas trop où est passé le gardien là qui me suivait. Bordel, mais il est où ce truc? Voilà. Je vous vois. D'ici peu de courage, oui, bien sûr, oui, tu t'es planqué. Il est beau le courage. Il est beau le courage.
Purée. Allez, pointe-toi là. Bon. Par contre, je suis en état fatigué, ça c'est chiant. C'est-à-dire que je vais gagner moins d'XP en tuant des mobs. Y a-t-il besoin de ma lame ? Ah ! Un truc à minimum utile quand même. Alors, ça, c'est une bague. Non, c'est à la place des pierres. Vaut mieux à la place de géant des mers. Et ça, de toute façon, je n'arriverai pas à le vendre. Du coup, hop. Ok, on va juste faire une pause vente. Les meilleures affaires, voilà. Ça, on est d'accord, hein. Ouais, c'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. Et ça, c'est mon bien aussi. Revenez vite! Ah. Ouais. Pourquoi il... Puisse la lumière de l'archonte vous illuminer. Ok. Avez-vous des idées pour renforcer les centurions ? 7 confluence ne contient plus une once d'anima en l'état. C'est à peine si elle vaut son poids en métal. C'est pas votre faute, hein, pas du tout, mais il faut la recharger. Les Maldraxi ont des extracteurs, des énormes cristaux verts impossibles à rater, avec lesquels ils drainent l'anima des Kyrians défunts. Maudit soit-il, on pourrait les utiliser pour charger la confluence et ensuite réanimer notre colosse. Ces trucs là.
Non, c'est pas ces trucs-là. Ces trucs-là? Ces trucs-là. Let's go. Que ça tirerait. Alors, j'ai pas compris pourquoi lui était là mais qu'il m'attaquait pas. Bon, je suis à la moitié. Bah, il est où? C'est un bug? Ça m'a l'air d'être un bug. Et je suis proche du niveau 56, hein. D'accord, que c'est lui qui m'a filé la quête. Uhum.
Non, ce serait pas là, ce serait pas... Mais dites pas que c'est dans le... Ah, ou que la quête elle est buggée. Si c'est la quête qui est buggée, c'est chiant. Et je crois que le joueur qui est là, il est... Non. Ouais. Perso buggé. Je l'abandonne, je la recommence. Vous parlez à la main. D'accord, alors attendez, j'ai une nouvelle... la mission des rituels occupe la moitié sud du temple, contrairement à celle des assemblages. Son principal atout est son... Attendez, de quoi? Ah oui, d'accord, ok. Attendez, et son armée, attendez, je l'ai pas déjà lu ça, ce truc-là? La maison des rituels occupe la moitié sud du temple, contrairement à celle des assemblages. Son principal atout est son armée sans fin, combattant ressuscité. Fort heureusement, le résonateur arconique que nous avons récupéré va remédier à ce problème. Utilisez-le sur les cadavres de nos ennemis lorsque nous donnerons l'assaut. Son énergie libérera leurs âmes, empêchant ainsi qu'ils se révèlent, qu'ils se relèvent pour prendre les armes contre nous. Ok. J'ai rien compris. Bon, et ça, c'est cette quête-là. La mission accomplie, nous nous retrouverons plus bas au viaduc brisé. Bien compris. Je vais déplacer le colosse. Enfin, je vais essayer. Ok, bon. Problème de script encore. Et apparemment, le tauren qui était avec moi a eu le même souci. Bon, c'était des choses qui arrivent. Parce que là, ça fait déjà deux fois que ça arrive. Je suis hors de portée.
s'approcher. En 3 de plus. Il me faut une cible. Il me reste un soldat à buter. J'ai pas pris ce... Ouais, je l'ai pas pris. Ok. Et là, par contre, la quête, elle est... Elle est validée. Mais je vais le remplir entièrement. Non mais il me lâche ? Non, oh, tu me lâches pas s'il te plaît. Idéalement, il me resterait un cristal. Sans surveillance. Parfait. Bon. Ah. Imbécile, mon armée vous déjà été repoussée. Vous avez perdu. On est à deux doigts, hein. On est à deux doigts. Je suis un régisseur très occupé. Il faut qu'il finisse de se recharger. Essayez de gagner du temps. Niveau 56. Il est presque à puissance maximale. Tenez encore un peu. Ça suffit. Le fils de Krodos a mérité sa friandise. Vous parlez à la main. Ne nous berçons pas d'illusions. Si les... Okay. Si les sbires du nécromancien fondent sur nous avant que le colosse ne soit chargé, c'en est fini de nous. Nous devons attirer son attention pour laisser à Mika Linos le temps de finir. Notre ennemi se voit déjà victorieux. Il nous prend pour des pions avec lesquels il peut jouer à sa guise. Nous allons mettre à profit son orgueil pour gagner de précieuses secondes. Espérons que cela suffise. Vous avez mon attention. Rappelez donc vos bêtes, ou elles mourront comme les autres. Imbécile, mon armée vous encercle. Ah.
C'est tout ce que vous avez pour nous? Je m'attendais à plus. Il se bat contre quoi là? Maximale. Tenez encore un peu. Ça suffit. Le fils de Krodos a mérité sa friandise. Pas l'attaquer encore. Bon, je peux pas le... D'accord, il a l'air de me suivre. Ou j'ai l'impression plutôt qu'il essaye de suivre mon marcheur, mais... Ça me semble buggy cette histoire. Putain, ça y est quand même. Non mais il régène. Mais non, ils sont en train de taper mon marcheur. Mais pourquoi? C'est quoi ce bug? Je suis hors de portée. Oh, le bug chelou. Attendez là. Pourquoi il attaque mon marcheur? Bon, je découvre, je me recoupe. Parce que c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas avec le script là. Ah et puis l'autre joueur là, il est sympa, mais ses attaques elles sont vraiment brutales.